Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papycore s'éclate sur Arc Survival sur Valguero. Il est 20h32, nous sommes le vendredi 28 juin 2019. C'est parti pour l'aventure. Donc, dernier petit épisode, hein, on arrête vers 21h. Mais je reprendrai Gaston après pour continuer l'aventure un petit peu tout seul. Hors Twitch. Le mec, il dort pas. Le premier a déjà joué 333. Oh là, ouais, d'accord, ok. 333 heures. Le mec, il dort pas. Non, mais il faut savoir que il y a un joueur, il peut servir à plusieurs joueurs. On est bien d'accord. Donc, admettons, moi, là, je quitte, j'en ai marre, ok, à 21h. Hop, mon fils, il prend la relève. Hop, il prend le même personnage et tout. Hein. Il va jouer jusqu'à 3h du matin. Tiens, j'ai mon autre fils, il rentre du boulot, voilà, il a 3-4 heures. Hop, il va s'y mettre à jouer jusqu'à 7h du matin. Après, voilà, après, moi, je me lève à 10h le matin. Hop, je reprends, tu vois. Donc, non, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Tu peux pas rejoindre, pourquoi? C'est sur PC, hein. Si t'es pas sur PC, tu peux pas, Gaspirit. Hein. Et faut que tu télécharges la carte Valguero en entier, hein, sinon ça marchera pas, Gaspirit. Hein. C'est clair, no life, il n'a pas de vie. Ouais. Ouais, c'est vrai, je les ai envoyés en message privé, le site. D'accord, ok. Ah. On peut me la passer. C'est-à-dire, on peut me la passer, Gaspirit. Faut que tu la télécharges, la carte Valguero. Elle est gratuite, hein. La carte. Bah, c'est Valguero, hein. Tu vas dans Steam et tu télécharges la carte Valguero. Dans les DLC. Dans les DLC, c'est ça, ouais. Attends, qu'est-ce qui me manque, moi, pour faire le lit? On va t'aider, on est là pour ça, t'inquiète. On va chercher du bois là-bas et du branchage. J'ai cherché, je la trouve pas sur Workshop. Non, c'est pas Workshop, c'est sur DLC, elle est gratuite. Tu vas sur Steam et tu vas télécharger DLC. Et tu vas voir Valguero. Et il y a téléchargement, carte gratuite, téléchargement tout simplement. C'est quand il y en a qui font eux-mêmes des joueurs. Ah, mais c'est pas Workshop. Purée, je suis trop lourd. Ah ouais, c'est vrai, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a de gros? Oh, la pierre, on va la virer. Et puis ça, on va le manger. Oh purée, je suis lourd dingue. Peut-être le bois. Allez, hop, le bois, on va virer. Là, par exemple, papy, je vois que tu joues depuis 37 minutes. Ah non, je joue depuis plus longtemps. Je joue depuis 19h. Sur ce serveur. Ah, sur ce serveur. Ouais, c'est ça. Exact. Ah ouais, ouais. 19h, j'ai fait deux épisodes sur le privé. Et là, oui, ça fait 37 minutes, effectivement. Ah ouais, bien. Mais ça, c'est un logiciel qu'on n'a pas le droit d'avoir, ça, normalement. Tu sais que je suis connecté sur Valguero ou pas? Ouais, c'est le logiciel. Ouais, tu coches un carré et tu le télécharges, c'est 2 gigas. Ouais, 2 gigas 9, normalement, ouais. 2 gigas 9, il est. Ouais, c'est un logiciel qui est pas très, très... C'est comme ça que les mecs, ils voient si les gens sont... Ouais, exactement, c'est ce qu'on faisait, nous. Bah, pour aller les raids, tout à fait, même. C'est ce qu'on faisait, nous, pour savoir qui c'est qui était connecté. Il y a 2 ans et demi. Bon, regardez ça, c'est mon fils qui m'avait fait voir ça. Attends, là, j'ai un bug. Là je prends pas de branchage. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te déconnecter, moi. Ah non, là, je prends rien. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Ouais, non, je prends rien. Et t'as le droit, il n'y a aucun souci pour... Ah ouais, d'accord, ok, bon. Battle Mythic. Ouais, je sais qu'on l'avait, nous, on regardait justement ceux qui étaient connectés ou pas. Ouais. D'accord, tu télécharges et tu viens, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, dans 20 minutes, je m'en vais. Mais sinon, on peut te prendre demain, il n'y a pas de problème dans la tribu. Hein.
demain ou après-demain, parce que demain on est samedi. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Tu démarres, on va te prendre dans la tribu. Hein. Bon, ça y est, moi je prends rien là. Qu'est-ce qui se passe? Je récolte plus rien. Peut-être l'arbre qui est pourri là, je sais pas, non. Ouais, on marque, il n'est pas terrible cet arbre. Hein. Je suis allé en chercher un autre, mais c'est la première fois que je verrai ça. Hein. Un arbre où on peut pas. Ah, ça y est. Non? Ah non, pourri, elle joue. Ah non, là, il y a un bug là. Là, je prends rien du tout là. J'abîme même pas l'arbre. C'est un leurre. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau ça. Bah, normalement, ça les tape pas. Ça fait partie du décor. Ah bon? Ah ouais? On va voir hein, si c'était un leurre. Ah, j'y crois pas, c'est un leurre. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Un arbre mort, il n'y a pas de feuilles, il y a juste le tronc et les branches. Il n'y a pas de feuilles, tu tapes dedans, ça fait schlach, ça fait du bruit. Ah, je l'ai bien fait, hein, schlach, schlach, c'est le bruit d'une pioche contre un arbre. Schlach, schlach. Voilà. Voilà, là j'ai un plumard. Je vais essayer d'en faire un autre avec deux portes, branchage et peau. La peau, je crois que j'en ai encore un peu. Paco, salut. Apes, salut Prince, comment vas-tu? Pour ça que les gens s'appellent 1, 2, 3 sur les sites, tu vois une dizaine de. Ah ouais, d'accord, tu sais pas qui c'est. Bah voilà, d'accord, tout à fait. Salut Prince! ça va mon ami. Je suis passé devant ta base tout à l'heure, bien, hein, ton broto à l'intérieur, là. Mais, il y a du boulot, hein. Du taf. Donc ça, il me faudra une porte, pareil, deux portes, machin. Il faut encore un plumard et deux portes en bois renforcé. Je peux même pas les faire, là. Non, bah c'est Gaston qui va les faire. Je vais juste faire les lits et comme ça Gaston va pouvoir réapparaître s'ils m'ont tué. Ouais. Ah, je peux même pas faire la porte en bois renforcé, laisse tomber. Je vais voir si j'ai de la pio. Je t'ai tamé hier soir, mais là je suis en PVP. Ah ok. J'ai PC connecté, puissante, c'est rapide. D'accord, okay, pas de problème. Bon, bah, si t'as la fibre, il n'y a pas de problème. Hein. En 10 minutes, c'est fait normalement, hein, les 2,9 Go. Hein. Après, tout dépend de Steam. Hein, parce que Steam, il coupe, il refait, il coupe, il remet. Laisse tomber. Hein. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Hein. Bon, je vais voir s'il me reste de la peau dans la flotte, là. Oh, sûrement. J'ai pas dû la prendre. Alors, attends, là, hop. C'est que je suis, là. Ok. Oula, c'est où là? Attends, je cherche la flotte là. Ah, c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Peut-être commencer à prendre les machins là. Hop, là, trop tard. La flotte là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Vas-y, bouge, sors ton épée, vite, et casse-les, Ah, demain soir, bah ouais, non, demain soir je suis là, je peux pas sortir, j'ai des.
On a des estivants demain. Et Marmilla, devant le drop vert, c'est là que je les avais topés. Je crois que ça, normalement, ça descend un peu. J'étais avec Gaston, ça descend, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était là, là, ouais. Voilà, je descendais comme ça. Oh là, ouais, ils ont mis les drapeaux, il n'y en avait pas avant. J'ai déjà le scassé. Bon, arrête, vas-y, déjà petite nature. Voilà, alors, ils ont mis les drapeaux, là, attention, hein, les mecs. Donc, c'était qui? Alors, c'était les NCIS ou quoi? C'est à qui, ça? C'est marqué, non? C'est marqué, mais je vois pas, là, drapeau de Manticore. Manticore. Voilà, donc j'étais descendu comme ça avec Gaston, j'étais en slibar. J'avais plein, je voyais plein de Thérésinosaures, des T-Rex et tout. Oula. Il commençait à invoquer le machin. Donc je me suis approché comme ça. Voilà, je me suis mis derrière un animal. Et hop, je suis parti avec eux. Et arrivé au truc de l'animal, hein, je sais pas c'était quoi le boss, hein, j'ai pas eu le temps. J'ai vu 4 mecs avec des gonzesses. Hein. Avec les tenues de CTLM, là, les camouflages. Oh, je suis parti. Il y avait un rocher. Ah, il est là, tiens. Hey, t'as vu, hey, oh, je raconte pas des bourres. Hein. J'étais ici, voilà. Je me suis allongé, voilà. Voilà, en espérant que. Et puis j'ai vu un mec qui arrivait là. Il a sorti son lance-flamme. Son lance-flamme, il m'a grillé. Il m'a grillé tout cru. Voilà. Ah ouais, non. C'est dommage que j'ai pas la vidéo. Franchement. Ah, mort de rien. Ah ouais, j'aurais fait un boss à poil. J'aurais ramené des éléments. Non, j'aurais pas ramené d'éléments. J'aurais débloqué le tech en slip. Hein? Mémorable le truc. Mais bon, ils m'ont gaulé. Ça aurait été top. On aurait eu le tech ici. Enfin, c'est pas grave. Faut que je retrouve ma base et mon corps là avant qu'ils disparaissent. Donc là. Il va falloir nager. Je pense pas qu'il y a des mégalodons là, c'est une rivière. Là. Pas de mégalodons là, non. Ouais, des truites, des castors, bon, c'est bon. Que leur base n'est pas loin. Ah, bonne déduction, je me suis pas posé la question. Zatzam. Ouais, je m'étais pas posé la question. Ouais. Bah, que leur base ne doit pas être loin. Bah, il y avait tous les dinosaures à côté du drop vert. Donc, ouais, à méditer et à regarder autour. Tout à fait. Ah, ouais, non, faut pas s'installer là-bas. Ouais, c'est sûr que. Ouais, donc à voir, et puis les embêter, là, ils ont mis les drapeaux, là, donc déjà, on peut démonter les drapeaux, et puis mettre des petits panneaux, t'as le bonjour de Papy Corse, hein, en Corse, il fait chaud, et t'as le bonjour de Papy, tu vois, hein, virer tous leurs drapeaux et mettre des petits machins comme ça, ça va être génial, ils vont aller sur Google, ils vont faire du petit copier-coller, puis ils vont voir ce qu'on a marqué, hein, ah oui, Arnaud, non, mais c'est le but, hein, parce qu'ils nous titillent, mais on va les titiller, hein, y a pas de problème, hein. On va mettre des vieux panneaux pourris, nous, à la place. Hein. Hello, papy, is friendly. Ouais, par exemple, pas de problème. Hein. Enfin, vous pouvez mettre vos noms aussi, vous. Hein. Mettez pas tout sur moi. Hein. Oh, oh. On partage. Hein. Ah ouais, alors ils vont être vénères, hein, les mecs. Hein. C'est clair. Hein. Déjà, leur drapeau, je vais les dégager. Là. Je vais peut-être y aller avec Gaston ce soir ou demain soir. Et puis je vais les péter ces drapeaux là pourris là. Pas de problème. Hein. Ils vont dire, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire là. Chez toi, c'est chez moi. Et chez moi, c'est chez moi. Ça veut dire, voilà, tu veux te voir le serveur. Si tu veux un serveur, tu veux ailleurs. Tu fais ça, il n'y a pas de problème, Arnaud. Tu le fais. On va les titiller bien. Attends, ouais, non, j'ai des oiseaux. Ah, voilà, Ganofo. Non, ah, bah non, vas-y, ils sont deux. Non, non. Aïe, je suis moche, vas-y, mais laisse-moi partir.
Moi j'ai cherché Gaston parce que là j'ai un trop petit niveau là. Donc au drop vert Arnaud, hein, au drop vert tu pètes tous les drapeaux et tu mets des petits panneaux à la place. Ah. Même tu peux mettre mi snoob. Alors là, j'en suis pas loin là normalement, mais j'ai ces oiseaux Terror Bird là qui me prennent le choubidou. Je vais récupérer mes fringues pour mettre le lit parce que. Mais bon, Patricia, si elle y va pouvoir. Ah bah tiens, j'ai vu, ça doit être toi, je pense. Ok. Si tu peux me péter les deux oiseaux Terror Bird. Ah, t'as rien? Ah ouais, d'accord, tu les as mis dans un petit coffre hier. Bon, je vais sûrement prendre une petite douche tiède ce soir là. Et puis me raser là. Je suis mal à l'aise. Hein. Pas bien. Ouais, prendre une petite douche après là. Avant de manger et prendre mon PC et sortir Gaston. Le personnage de Valguero. Hein. Il s'appelle pas Gaston. Hein. Non mais je vois Rem tout de suite là. Ah. C'est pour ça que je précise. Hein. Dites douche tiède, ouais, plus tiède chaud que tiède froid. Hein. Non, pas la douche froide, non, j'aime pas du tout. Hein. La douche froide, faut être taré, non, c'est bon. Taré ou pauvre, ceux qui n'ont pas payé l'électricité. Non, c'est bon, hein. plus chaud que froid. Hein. Tiède chaud. Un bel inconnu s'appelle Gaston. Ah, non. Oh. La tronche que ça a aussi, ça, tu vois. Ouais, comme ça, je vais prendre Gaston et il va rattraper tout ça, là, parce que... C'est pas évident, vu le petit niveau, mais il faut que je fasse de l'expérience avec Papicor, sinon je vais jamais y arriver. Il va pas être autonome, il compte trop sur Gaston. Attends, ils sont plus là, les oiseaux à plumes, là. Bon, déjà, ça, je le prends. Et je voulais voir si j'avais de la pio. Ouais, c'est ça pour faire le deuxième lit. Ah bah non, j'avais pris, tu vois. Donc j'ai un lit sur moi, je vais essayer de le mettre avant qu'il me poursuive. Peut-être sortir l'épée. Voilà. Castor, on s'en fout. Là, j'ai fait brûler un petit peu. Ah bah j'ai plus d'atelier, donc c'est pas la peine que je le prenne. Ok, non, bah, ça va être bon, hein. Alors, non, tu fais du camping sauvage, la douche froide, tu l'as... Ah ouais, non, je fais pas de camping sauvage, moi, la douche froide, non. Comment que t'as la douche froide dans le camping sauvage? Tu fais camping sauvage, c'est qu'il n'y a rien autour de toi. T'as ton petit flotte, non? Tu vas à Brest. Peut-être Brest, toi. Qui c'est qui disait ça là? C'est le serial killer français là, la tête Brest toi. Avec Bernard Giraudot. Il jouait bien en plus ça. C'est le flic qui poursuivait le meurtrier en série là, le serial killer français là. Ça fait peur. C'est un téléfilm, hein, franchement, un super téléfilm. Hein. Histoire vraie comme ça. Comment il s'appelait lui? Oh, il y en a bien un qui va me le dire. Là. Sous le froid que ton corps s'habitue quand tu sors. Ah ouais, non, mais il s'habitue pas, moi. Non. Les seules douches que je prends tiède, un petit peu plus froid que chaud, mais tiède quand même, c'est quand je sortais du sauna. Hein. J'avais un sauna à mon ancienne maison avec mon épouse. On se faisait un petit sauna et après on allait se prendre une petite douche. The top. Moi, qu'on sortait de là-dedans, ça montait à combien? 65 degrés, 70? Ah ouais. Ouais, 65, 70 degrés. Mais non, plus 70, 75 même. Hein. Avec les pieds qui chauffent et tu mets la flotte et pff, avec de l'huile essentielle, c'est ça? Une sorte d'huile essentielle là-dedans. Pff. Et après, tu prends la douche, t'es bien. Puis après, tu retournes au sauna parce qu'il faut faire 2-3 fois comme ça. Wow, le panard, t'as la peau, t'es nickel.
Là, tu as besoin de sauna. Hein. Tu sors dehors, tu as 40-45 degrés en plein soleil, même 50. Hein. Tu rentres, tu prends une douche, tu voilà, il y a nouveau. Hein. Ah, c'est clair. Hein. On s'arrange, nous, pour être près d'un lac. Ah ouais? Ah, mais les lacs, c'est froid. Moi, j'aime pas les rivières, hein, comme les rivières en Corse. Moi, j'aime pas, c'est trop froid. Même en plein été, en pleine canicule, moi, j'ai du mal à y aller. Hein. Même à la plage, hein, moi, si elle n'est pas à 26-27 degrés, j'y vais pas. Hein. J'ai trop de mal. Hein. Et c'est vrai, une fois que tu es dedans, c'est vachement bien. Une fois que tu sors, tu es bien et tout. Mais le tout, c'est de rentrer. Hein. Patricia, elle y va tranquille. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Même si elle est à 21-22 degrés, elle y va. Hein. Moi, j'y vais pas. Hein. Même les pieds, je les mets pas, moi. Non. Non, non, moi, il me faut 26-27. Hein. Le mieux pour moi, c'est 28. Hein. 28, c'est comme si je rentrais dans mon bain, là, presque. Ah ouais. Puis une fois, j'ai fait les vendanges et on donne dans les tentes, on n'avait pas de douche ni de baignoire. Donc, on a fait la mode barbare. Au dos qui chauffe derrière, fois que j'ai fait les vendanges là-bas. Ah bah oui, mais là, c'est autre chose. Là. Ouais, tu travailles, donc tu travailles, tu sues Hélène, hein, c'est clair. Et puis, oui, bah là, moi, je travaillais dans les rivières en Corse. Bon, voilà, une fois qu'on a coupé les arbres et tout, on était en sueur et tout. Après, on allait se baigner à la rivière, mais bon, on était en loc, hein, on était. Laisse tomber, ça faisait du bien. Mais j'ai pas été d'un seul coup. Hein. Il y en a, ils y allaient direct, ils sont fous. Hein. T'as le choc thermique aussi, il faut faire gaffe. Hein. Non, non, moi, le froid, je suis pas copain avec le froid. Moi, je vous le dis tout de suite. Ah non, c'est pas mon pote. Par contre, la chaleur, là, la canicule, il y en a qui morflent et tout. Non. Moi, je peux faire le jardin, il n'y a pas de souci. Hein. J'y vais, je fais le jardin, je prends une casquette et puis c'est bon. Moi, je suis dans mon élément. Hein. Quand il fait très très chaud, je sais pas si j'étais Touareg avant. Peut-être. Peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est comme ça qu'on dit dans le chenoir. Hein. Comment? Ah ok, d'accord, merci. Voilà, bon, je mets le lit et puis ça va être bon. Hein, parce que je peux pas construire. De toute façon, je suis piégé là. J'ai fait un lit, ouais quand même. Hein. Je vais pas pouvoir le mettre parce que j'ai une caisse pour l'angle là. Purée. Bah oui, j'ai une. Ah attends, oui, je peux. Oh bien. Ok, impeccable. Comme ça, j'aurais plus qu'à mettre là. Et au moins on réapparaît. Hein, voilà. Bon, ça va être cool, les copains. Hein. Voilà. Papy va à la plage avec son thermomètre. Ah ouais, avant, j'y allais avec le thermomètre. J'avais un truc infrarouge où, tu sais, tu mesures directement le liquide des biberons de bébé, par exemple, tu vois. Ou le bol de chocolat de ton petit-fils. Hop, tu. Et t'as le nombre de degrés. Même la température, tu le mets sur le front, tac, t'appuies, c'est infrarouge. Ouais, j'avais payé ça assez cher, même. Et puis, je me l'ai fait tirer. Bon, bref. Ah ouais, avant j'allais avec mon thermo. Exact, hein, non, mais c'est vrai, hein, y a pas, et alors, ça peut faire. Ah, hein, t'en poses des questions. Ah, tu peux faire un atelier, ouais. Non, non, j'en ai pas fait, bah non, j'ai. Je suis niveau 24, même 23. L'US sous 4 couvertures, mais quand il fait trop chaud, tu peux rien faire. Non, non, moi je m'en fiche, on peut des deux, sauf le soir quand j'ai trop chaud. Ah non, moi le soir, nickel, hein. Je mets mon ventilo devant moi, et puis là, je suis super cool, il fait 30 degrés à la maison, j'ai le ventilo, tranquillou, hein. Ah ouais, j'adore, moi. Quand il fait froid, je suis dans les couvertures, laisse tomber, non, j'aime pas, moi. Après, j'aime pas trop ça. Ah non, mais mon ventilo, moi, ça fait un petit courant d'air, là, sur ta peau nue, tu sais, t'es tout nu, t'as le courant d'air qui passe partout, qui te caresse, toi, c'est l'air qui te caresse. C'est un massage pas thermique, un massage électrique. Électrique, mais sans toucher, tu vois. Donc, c'est un massage. Hein, c'est juste insupportable sans clim ou plage à proximité. Je sais pas comment vous faites pour. Ah, moi, j'adore, moi, cette chaleur. Ah, ouais, non, non, moi, je préfère. Franchement, je préfère cette chaleur. Ah, ouais, je préfère avoir chaud que froid. Moi, je suis dans mon élément. Ouais, voilà. Et jamais de crème solaire, moi. Ça, négatif. Hein. Ça craint, ça. Ça craint. Hein. T'as plus de chances d'attraper le cancer avec ces pommades que directement avec le soleil, hein, moi, je te le dis. Hein. Ah, bah oui. Hein. Ça, c'est encore du business. Voilà. Non, moi, il n'y a pas de crème solaire. Bon, après, ceux qui ont la peau blanche, qui viennent du Nord, du Danemark et tout, c'est à eux de laisser un chemisier ou prendre des parasols et se mettre à l'ombre. Hein. Faut pas non plus jouer avec le feu. Hein. Voilà. Hein. Faut y aller progressif, quoi.
ça c'est clair. Mais la crème solaire, non, non, ça c'est de la... là où c'est pété, derrière le rocher, si tu vois. Ouais, tu le remets au même endroit, parce que de toute façon, je vais en faire un autre, ailleurs. Après, si tu veux le mettre ailleurs, tu fais une petite maison bien planquée un peu plus loin et tu le fais. Hein. Mais moi, voilà, dès qu'il me pète, je double. Il n'y a pas de problème. Là, ils vont voir un petit peu. Là. Alors, je préfère les moins 20 perso. Moi, l'hiver, à moins 10, je suis pieds nus en... Ah ouais, non, pas moi, Rem. Ah non, non, pas moi, là. Ah non, non. Ah non, moins 20, m'a dit, je suis malheureux, moi. Ah ouais, non. Je préfère le réchauffement climatique que le refroidissement climatique. Hein. Ah, ça, c'est clair. Hein. Tu vois, nos montagnes, ils se transforment en iceberg. Non, 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 non. Pas bien, pas bien. Non, non. Bah, c'est bon. Ouais, ça va être impeccable. Je vais ranger... oh, je sais pas si je vais ranger pour le peu de temps. Je vais me déconnecter à côté de Papy Corse. Je prends le risque. Non, peut-être pas. Papy Corse, il est où, Papy Corse? Gaston, je veux dire. Il est où, mon Gastounet? Motiler Titi, Chapeau Pointy. Il est pas là? Il doit être par là normalement, non, non. Bon, bah, je vais enlever mes affaires, je vais le mettre dans le coffre, je vais assurer le truc. Comme elle a tué les oiseaux bird. De toute façon, l'homme est fait pour supporter le froid que... Plus le froid que le chaud, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec toi. Tu prends Adam et Ève. Ah. Ils avaient une température normale. Ni chaud, ni froid. On n'est pas fait pour avoir trop chaud ni trop froid. On est fait pour avoir une température ambiante, normale. Une température normale, c'est quoi? Je veux pas inventer. Hein, 25, 30? Hein, c'est ça, hein, 25 et 30? Avec un taux d'humidité de 60%? 55, 60? Méthanine, je pense. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense, Arnaud, parce que quand tu vas chez les aborigènes, ils sont habitués, ils marchent pieds nus dans la jungle et tout. Nous, on y va, laisse tomber, hein. On se prend une écharpe, ça y est, c'est mort. Là, ils rigolent de nous, hein, les mecs. Hein. Tu vois? Et attends, alors, attends. J'ai même un cas concret. Un cas concret. Cas concret. C'est. Hein. On a une dame qu'on connaît, une africaine. Noire africaine, donc il fait plus chaud. Hein. T'as le Maghreb et t'as l'Afrique noire. Donc on a une personne noire africaine qui est venue et qui a été à Paris. Mais elle avait trop froid. Et elle est venue en Corse pour le climat, parce qu'elle ne s'habituait pas au froid du nord, quoi. Enfin Paris. Hein. Voilà, et elle est venue ici pour... Les Africains, ils n'aiment pas la neige, ils n'aiment pas le froid. Parce que, alors, comme tu dis, Arnaud, c'est la vitamine mélanine. Hein. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Voilà, c'est une question d'habitude de là où tu as vécu. Hein. Moi, j'ai vécu en Normandie, mais je ne me suis jamais fait. Hein. Je suis un mec de la Méditerranée, moi, ça c'est clair. Hein. Moi, mes grands-parents, ils viennent d'Alger, voilà, hein, c'est des pieds noirs, hein, voilà, ils se sont fait jeter, hein, bon, c'est tout, hein. Mais voilà, j'aurais préféré qu'ils restent en Corse, ou à Nice, ou à Marseille, que de monter dans la région parisienne, hein. Et après, on a été en Normandie. Mais voilà, quoi. Ah non, là, j'ai mon climat, moi. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de retraités. En ce moment, ils sont venus s'installer dans le Midi, au Portugal, sur la Côte d'Azur, en Corse, enfin là où il fait chaud. Et il y en a de plus en plus. Ils remontent, ils vont en Bretagne. Ils vont en Bretagne parce qu'ils ont trop chaud, tu vois. Donc voilà. Après, c'est chacun. Il fait froid de toute façon. Il y a plus de blanc. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai mis une vidéo. Ah, j'étais mort de rire. Une vidéo d'un Africain noir, hein, parce que les Africains blancs, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, bon, c'est pas un gag, hein, c'est faut le dire. Il s'est filmé, et il était à l'armée, il neigeait. Et il disait, oh maman, maman, tu sais, il se filmait en selfie pour l'envoyer à sa mère. Oh maman, maman, il fait froid, ici il fait froid, et puis il pleut blanc, parce qu'il neigeait. Donc ils connaissent pas ça.
Mais il avait froid, le pot, j'avais pitié pour lui. J'étais tellement mort de rire, je l'ai mis sur Facebook, mais c'est hilarant, quoi. Le mec, il était carrément dans son apparat militaire en fourrure et tout, mais il caillait, il disait qu'il pleuvait blanc. Il avait jamais vu la neige, quoi. C'est génial. Ouais, bah tu regardes, hein, les pays nordiques, ils ont la peau blanche, hein, mais vraiment blanche. Hein. Nous, on l'a un petit peu mat. Dans le midi, on l'a un peu mat. Hein. Mais dans les pays là-haut, c'est blanc parce qu'ils sont habitués au froid, tout simplement. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je bronze vite, moi. Hein, donc, moi, je suis méditerranéen, hein, c'est clair. Hein. Moi, le froid, je vous le laisse. Hein. On s'en envoie un petit peu, je vous envoie un peu de soleil, vous m'envoyez un petit peu de glaçons, puis c'est bon. Hein. Puis les Bretons, ils nous envoient un petit peu de flotte, puis ils sont fiers de leur flotte. Donc voilà, hein. On partage. Hein. Et je pense que ça change avec le temps entre les générations. Ah peut-être, je sais pas Arnaud, tu vois là, je sais pas du tout. Je suis revenu de mon chalet. Salut MW3. Pourquoi t'avais pris un chalet et t'avais trop froid, non? Vas-y, dis, hein, si vous avez du vécu, au contraire, hein, ça va enrichir la discussion, hein, y a pas de problème. Hein. T'avais un chalet, t'avais trop froid, t'es retourné dans le sud, non? Je sais pas, hein? T'es revenu de ton chalet, ça veut dire que t'es revenu dessus. Salut, Casway. Casual, pardon, j'ai pas vu. Casual. Bon, là, j'essaye de mettre mes fringues dans le coffre, mais tellement je jacte, je manque de respiration et j'y arrive pas. Allez, on va essayer de se concentrer un peu vite entre deux machins. Là, qu'est-ce que je peux mettre? Rien. Ouais. Merci, la quenouille. Pour ton follow, c'est sympa, c'est gentil. Tu m'as l'air sincère. Je peux pas t'épouser. Ça, c'est Otawan. Otawan. Ouais, faut que je fasse un montage en plus, là, après. Oh, mais... Allez, hop. Bon, bah, c'est bon. Hein. Là, je vais déconnectouiller. Donc faut que je fasse des portes. Tiens, je vais prendre une crotte Zubik. Hop là. Je vais me déconnecter. Donc pas dans une baraque parce qu'il nous pète. Donc c'est pas la peine. Donc bah, me déconnecter là où j'étais avant. Et puis Gaston, il va venir chercher le pot de fringues qu'il a. Vous êtes fatigué. Ah bon. On va attendre un peu là. Non, il faisait 23. Bah 23, c'est génial. Ouais, merci Chiro, ouais, parce que j'ai essayé de mettre dans le coffre, mais j'y arrivais pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sautes? Bah alors 23, c'est bien ça, 23 degrés, c'est pas mal. Si toutes les générations dans la famille n'ont jamais quitté un pays chaud, ils seront très foncés. Ouais, ça j'y crois aussi Arnaud, ouais. C'est comme les Maghrébins qui sont venus dans le Nord et à Paris, etc. Il y a beaucoup qui s'éclaircissent. Ah, ça, je sais pas, ouais. Ouais. Après, t'as des... Comment dire, les couples, hein. Il y a beaucoup de Maghrébins qui sont mariés avec des Nordistes. Après, c'est... Voilà, c'est un petit peu le mélange. Et puis... Enfin, moi, je dis, il faut être habitué. Hein. Mais moi, je... Franchement... Ah bah tiens, il est là, mon bonhomme. Ouais, voilà. Donc c'est Gaston, voilà Gaston, niveau 97. Mais voilà, moi je suis né en Picardie, j'ai vécu au Havre en Normandie, je me suis jamais fait autant, hein. AUTEMPS, autant. Le climat, voilà, je me suis jamais fait au climat. Et quand j'allais passer mes vacances en Corse ou à Nice, j'étais bien, ou en Espagne. En Espagne aussi, j'allais en Espagne souvent, voilà, et j'étais bien. Voilà. Mais j'ai toujours été malheureux du climat en Normandie. Pour qui, pourquoi, je peux pas vous dire, hein. C'est dingue. Hein. Si, avec le manque de soleil, forcément, la peau change. Ouais. Ah bah, c'est sûr que si je suis pas au soleil, je vais blanchir, moi. Je blanchis, hein. Ouais. Là, comme il y a du soleil, j'y vais une ou deux fois, ça y est, j'ai pris des couleurs, moi. Et au bout d'une semaine, ça y est, j'ai ma couleur d'origine. Hein, chocolat au lait. Je peux faire la vaillinée devant Patricia le soir après. Avec le gros ventre, évidemment. La danse du ventre, les ukulélés. Yaza, ayawaza, ayawaza, ayawaza. Avec la danse du ventre. Hein? Qui est pas ça des nas. Après bien sûr il y a les gènes, bah oui ça help mes piles. Oh ces piles, j'ai oublié ces piles.
À ma mère. Parce que je dois lui acheter des piles. De son appareil. Je suis complètement zappé. Bah c'est sûr, je peux pas lui envoyer. Hein, mais bon, on peut les acheter à Nice. Hein. Bon, je vais voir ça après. Bon, allez. Sur ce, alors, on veut voir la danse du ventre de papy habillé en vainé. Ah non, non, je serais pas... Ah, habillé en vainé, ouais, d'accord. Vainé, c'est gonflé. Tu t'en rappelles de cette pub? Ah, si je me mets en vainé, je vous fais la danse, vous êtes morts de rire, là. Vous allez faire une crise cardiaque, les mecs. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, yo, coulélé. Oh, t'imagines des papiers. Oh, ben, ça va pas, non. Non, imaginez pas, c'est pas la peine, laissez tomber. Moi, je vais vous laisser pour ce soir. Là. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée avec le pain en feuilles de palmier et les noix de coco sur les pectoraux. C'est pas les noix de coco qu'il me faut, c'est les noix de pastèque. Hein. Je vais me dire que... Et puis la pagne, non, il faut pas... Là, il me faut une feuille de bananier. Là. La pagne, c'est plus petit. Hein. La feuille de banane, c'est mieux. De bananier. De bananier. Pas la peau de banane. Mais... Bonne soirée, PZP. PZP. Bonne soirée à tous, hein, les copains et les chocolatines. Donc, je me suis bien marré, on a bien discuté encore, c'était sympathique, tic. Hein, donc, je vous donne rendez-vous à demain. Là, je vais réveiller Gaston après ma douche et après le manger. Et puis, on va reconstruire en deux fois plus. Hein. Donc, ouais, Gasbir, justement, j'ai téléchargé, mais je peux pas quand même me connecter. Comment je fais? FAIS, je fais. T'as bien téléchargé? T'es sûr? Parce qu'il y a le téléchargement et après, il faut qu'il l'installe. Hein, voilà. Je vais aller manger, après je serai sur... Il n'y a pas de problème, Arnaud, on se verra peut-être tout à l'heure. Donc, bah, normalement, tu dois le lancer et tu vas sur multijoueur, tu vas sur officiel, tu tapes le 532 et normalement, il doit te donner Valguero. Et tu, donc, avant de faire ça, tu peux redémarrer ton ordi pour qu'il mette tout en place. Tu regardes si tu n'as pas de mise à jour à faire ou en attente. Ou qui est en train de se faire parce que je vois dans mes maps solo il faut que tu les vois en officiel. En officiel tu tapes 532, ça suffit, il n'y en a qu'une 532 Valguero. Voilà, alors c'est un serveur officiel, tu sélectionnes Valguero, voilà, ok, 532, voilà. Bon bah je vous laisse vous aider, bah non, si je ferme le chat vous avez pu pouvoir l'aider, hein. Bon, tu fais au mieux, Gaspire, moi je vous laisse. Hein. Il est déjà 21h10, je vais aller faire un petit tour en bas pour voir si tout va bien avec les estivants. Et puis, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. Virtuel, hein. D'accord. Normal, hein. Je ne me suis pas lavé les dents, c'est bon. Hein. Une vaninée qui pue de la goule, c'est pas bon, hein. Pas glop. Hein. Bon allez, c'est bon, ciao, ciao. Rendez-vous au prochain épisode, j'ai un montage à faire encore. Bonne soirée à tout le monde, merci. Hein. Ciao, ciao.